bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, aujourd'hui je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker et à partager ma vidéo. Sur cette vidéo aujourd'hui, on va parler de sentir bon. Comment sentir bon toute la journée? Peu importe si vous voulez sentir comme du bonbon, de la vanille, barbe à papa, comme du chocolat, si vous voulez sentir frais, mais toute la journée, comment faire? Si c'est une chose que vous recherchez, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Sentir bon déjà demande d'avoir une hygiène corporelle saine. Donc vous lavez le corps, bien sûr, les cheveux, nettoyer tout ce qu'il faut en fait. Avoir des vêtements propres et des cheveux propres aussi. Donc ça, c'est juste la base. Essayez de se laver une à deux fois par jour. Vous allez sûrement vous demander, mais c'est facile pour sentir bon toute la journée. J'ai juste à utiliser un parfum très, très efficace. Mais en fait, je parle de sentir bon, agréable toute la journée parce qu'il y a une différence entre sentir bon toute la journée avec les astuces que je vais vous donner. Quand on sent bon comme ça, en fait, vous donnez, comment ça c'est, du réconfort, cocooning, à vous et aux autres en fait. Les gens ont juste envie de vous prendre dans les bras, de vous embrasser. Donc c'est vraiment ça la différence. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une différence. Moi je l'ai fait pendant des années, je vous assure que ça marche super bien. Je vais pas vous mentir, j'ai arrêté parce que j'ai une peau sensible et j'essaie d'éviter tout ce qui est parfumé, tout ça. Donc je me suis dit non, je vais laisser tomber. Mais je vous assure que quand je faisais, tout le monde avait envie de me prendre dans les bras. Donc voilà, la première chose que je vais vous dire, c'est que vous pouvez sentir très très bon à prix abordable. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter un parfum à 180 livres euros, non, pas du tout. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller acheter un assouplissant. Donc vous connaissez les assouplissants, je vais vous le mettre juste là à côté. C'est ce qu'on utilise quand on lave notre linge. Alors, faut faire attention quand vous achetez votre assouplissant. Il faut, adoucissant ou assouplissant, je pense, il faut prendre un parfum qui est assez adapté avec vos parfums ou ce que je vais vous dire après. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a vraiment plein d'adoucissants, assouplissants, tout ça. Donc, il y a des parfums frais, il y a des parfums à la fleur, il y en a plein. Donc, vous allez vous procurer ça et laver vos linges, vos vêtements avec l'adoucissant. Je vous assure que vous n'aurez plus besoin même d'appliquer du parfum. Vous allez sentir bon, mais toute la journée, et on va vous demander qu'est-ce que vous appliquez, quel parfum vous utilisez. Je vous assure que ça marche, même pour vos draps, utilisez des assouplissants, adoucissants, top. Alors moi, j'ai utilisé celui de Auchan, je ne me rappelle plus quel parfum. Et quand je vous disais, je travaillais dans une boutique de parfumerie, tout ça. Et quand je vous disais, quelquefois le matin, très tôt, j'avais tendance à ne pas utiliser de parfum. J'allais au travail et j'appliquais le parfum là-bas. Donc, ça fait que je sentais déjà très bon. Quand j'arrivais au travail, les gens déjà me demandaient, sans avoir même mis du parfum, me demandaient qu'est-ce que tu as appliqué, tout ça. Et en plus, les gens me prenaient, oh, j'ai juste envie de te prendre dans les bras, tout ça. Donc, je vous assure que ça marche, mais à 110%. Après, astuce numéro 2, c'est d'acheter des gammes en fait, des gammes de parfums, crème et gel douche. Ça, c'est top. Si vous voulez sentir bon, c'est la meilleure façon de faire en fait. Donc, moi, personnellement, j'ai utilisé la gamme de Avon, Far Away. Ça, c'est la gamme que j'achète toutes les années, tous les ans en fait. Donc vous avez le gel, le déodorant, vous avez aussi le parfum et vous appliquez tout ça et je vous assure, je vous garantis que vous allez en fait sentir bon toute la journée. Des gammes en fait. Attendez par exemple durant des fêtes, vous savez les fêtes de pères, les fêtes des mères, Pâques, Noël, là vous pouvez trouver vraiment beaucoup de gammes.
Une autre astuce, c'est d'utiliser, d'acheter des brumes. Les brumes parfumées, c'est top, top. Vous n'avez même pas besoin d'aller acheter un parfum. Brumes parfumées, c'est top, top. Les tout premiers que j'ai utilisés, je me rappelle, c'est une marque d'ici, d'Angleterre. Comment ça s'appelle encore? So, vraiment abordable. So. J'ai utilisé quoi encore? Quelle marque? So, oui, mais ça fait très très longtemps. So, je ne sais même plus. Voilà, ça. Après, ceux de Victoria's Secret, ça, c'est les top, mais top. J'ai utilisé aussi ceux de Avon, ça aussi, sont vraiment abordables. Les brumes parfumées, les sprays parfumés, c'est top. Vous pouvez utiliser même dans la maison, sur vos draps. Donc, je vous recommande ça à 110%, les brumes parfumées. Alors, ce que je vous conseillerais, comment maintenant faire, comment appliquer? Moi, ce que je faisais, c'est que le matin, je prends ma douche avec le gel parfumé, j'applique ma crème parfumée et j'utilise la brume parfumée sur tout mon corps. Et après, sur les parties chaudes, les parties essentielles, les parties du corps chaudes, on doit appliquer le parfum, comme par exemple là. Bon, bref, il y a des parties chaudes du corps. Et là, j'appliquais le parfum ou mon parfum. Ou bien, après m'avoir préparé, porté mes vêtements, je fais juste un nuage de parfum. Donc, je spray mon parfum et je saute dessus. Pourquoi? Donc, je passe dessus. Pourquoi? Parce que je veux que mes cheveux soient parfumés aussi. Une astuce aussi pour sentir bon toute la journée, c'est de parfumer vos cheveux. Vous n'avez pas vraiment besoin d'acheter des parfums pour cheveux. Vous allez juste appliquer le parfum sur une brosse à cheveux et vous peignez vos cheveux. Et je vous garantis que vous allez sentir bon toute la journée, mais toute la journée. Si vous voulez vous rafraîchir, bien sûr, pendant la journée, vous vous nettoyez et vous appliquez votre déodorant et une application de parfum. Mais je vous garantis déjà ces étapes-là, ça va faire que vous allez sentir bon toute la journée. Toute la journée, vous allez sentir bon comme du bonbon, caramel, vanille, fleurs, tout ça. Vous n'avez pas besoin d'appliquer un parfum très cher. Non, pas du tout. Et c'est juste agréable en fait. Quand je me rappelle cette période-là, quand je le faisais, oh, c'est juste, vous vous sentez en fait, je sais pas, vous prenez soin de vous. Bon, maintenant je prends soin de moi, c'est vrai, mais c'est juste différent. Et ça attire vraiment, ça vous donne un peu plus de, ça vous met de bonne humeur, c'est ça en fait. Alors, il y a quelques parfums que je conseille, si vous avez un petit budget, d'utiliser des parfums juste, vous savez, les senteurs vanille, caramel, chocolat, ça fait un peu bébé, mais peu importe ce que vous voulez, vous pouvez aussi utiliser des parfums, vous pouvez aussi utiliser des sprays, des parfums frais, parce que c'est vrai que tout le monde ne veut pas sentir comme de la barbe à papa ou ne veut pas sentir comme du chocolat. Donc voilà ce que je vous conseille. Par contre, pour la routine du soir, ce que je faisais et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de vous laver avec votre gel, votre gel de douche normal, et après appliquer votre crème hydratante normale du quotidien. Au lieu d'appliquer une crème hydratante parfumée. Pourquoi? Parce que quand on dort la nuit, votre peau se régénère. Donc, c'est ça que je vous conseille de faire. Et après, ce que je fais, j'utilise le spray parfumé, la brume parfumée. Vous allez aussi sentir très bon, je vous garantis. Et ce qui est bien, en fait, pourquoi je vous conseille ça? Parce que la nuit, le soir, on veut pas trop sentir fort. On veut pas que ça nous écœure en fait. Moi, je faisais ma routine du matin, le soir, et après, à un moment donné, j'ai remarqué que j'arrivais pas à dormir, c'était un peu trop. Et aussi, pour mes draps, ce que j'ai utilisé, un autre assouplissant,
un peu plus frais, genre lavande frais, pour que ça m'apaise, pour que je dors mieux, au lieu que j'utilise un assouplissant, un adoucissant, parfum, fleurs, tout ça, c'était un peu écœurant en fait, ça commençait à me déranger. Ou d'utiliser tout simplement juste un spray pour le lit, vous savez, les parfums pour les oreillers, juste ça. Et le soir aussi, si vous voulez que votre maison sente bon et que vous aussi vous sentez bon, ben vous allumez une bougie parfumée et oh, l'atmosphère sera juste trop cozy, trop bon. Voilà mes astuces. Je vous mettrai quelques parfums idéal en fait si vous voulez commencer ces petites routines. Il y a vraiment des parfums abordables qui sentent super bon, comme le Juicy Couture. Vous avez Giorgio Armani qui est vraiment pas trop cher aussi. Vous avez aussi le Prada Candy. Vous avez, il y a des petits parfums comme ça. Il y en a un qui sent la barbe à papa ou bonbon. Donc il y a des parfums vraiment pas trop chers que vous pouvez acheter, vous allez sentir super bon. Après, ce que je recommande vraiment, cette routine là pour sentir très bon, comme je dis, toute la journée, comme du bonbon, caramel, vanille, tout ça, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes aussi qui ont en fait, je dirais, il y a une tranche d'âge pour ça. Je dirais que à partir de 16 ans jusqu'à 28 ans, parce que à un moment donné, ça fait un peu trop bébé, ça fait un peu trop... pas bébé, ça fait un peu trop... À un moment donné, ça fait un peu trop jeune, je dirais. Donc après, vers les 30 ans, donc je vous conseille d'utiliser juste vraiment une gamme un peu plus cher, je dirais. Donc vous avez ça tout le temps, hein. Vous avez toujours des coffrets où il y a soit le gel douche, soit votre crème hydratante et votre parfum. Mais sinon, les brumes, sincèrement, je vous conseille les brumes, c'est très efficace. Bien sûr, quand vous utilisez déjà que du parfum, un bon parfum, vous sentez déjà bon. Donc je vous conseille, si vous voulez aussi une crème abordable, donc je vous conseille aussi la gamme Soap and Glory. Je l'ai longtemps utilisée. Donc il y avait le gommage corporel, il y avait c'était quoi la brume aussi, je pense la brume, mais celui qui était plus populaire, c'était la crème hydratante parfumée. Ça, c'était vraiment une tuerie. Donc j'en ai acheté un petit, je l'ai eu en cadeau. Et je l'utilise de temps en temps le soir, ça. Et aussi, bien sûr, mon préféré, ça, j'achète ça chaque année, Fairway de la gamme Avon. Ça, vraiment très abordable. Donc ça, c'est juste la crème, le parfum, j'ai déjà fini. Et ça, vous voyez, j'ai déjà presque tout fini. Donc, voilà. C'est vraiment très simple. Si vous commencez à le faire, vous allez voir un changement. Vous allez vraiment voir la différence. Il y a une différence. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je vous assure qu'il y a une différence. Essayez. Si vous voulez pas, vous n'êtes pas trop tenté. Si vous avez une jeune fille à la maison, ben, achetez-lui une gamme et qu'elle commence par exemple à utiliser ce genre de gamme et vous allez voir une différence totale. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Cela me ferait très plaisir. Bisous, bye bye.